Mardi 19 novembre, l'agence fiduciaire de développement social avec donc le directeur général ont accueilli en fait la représentante résidente du PNUD. J'ai une charge de présenter un peu toutes les activités de la DS et voir dans quel domaine le PNUD travaille en collaboration avec le PNUD. Et faire en sorte que le PNUD puisse s'inscrire également dans le cadre du programme, nous soutenir et mutualiser un peu les moyens. First of all, thank you so much to the General Director of the DS, but also thank you to all of you. I think it's a great honor and a privilege to be here. I think for UNDP, you are the hidden soldiers behind the statistic and the progress that we see in Djibouti. So for every person who's graduating from poverty, I think you can claim a lot of attribution to that. And I want to take this opportunity to congratulate you for all the hard work, for the strong leadership Mr. Mackin has provided to the agency, and also for the commitment of the government of Djibouti to eradicate poverty. I think this is the century where we can realize poverty is no longer there in the country. This is a period of good economic prosperity for the country. You are a positive surplus while a lot of economies globally are slowing. The biggest challenge ahead of all of us, and I say that all, because UNDP is one of the responsible parties, I would say, to help the government in eradicating poverty, is how to make sure that we include everybody in this journey of economic prosperity and growth. And I think KDDS is one of the lead entities that are realizing the ambition and the vision of His Excellency, the President, for 2035. So congratulations to all the efforts. We are open for the partnership and I'm delighted to hear from you today on what you're doing. We will be having another round where we are sharing what we are doing and exchanging notes on what kind of technical assistance UNDP can provide to the ongoing projects. I'm wishing you all the best and I'm sure that together we can make eradicate poverty and realizing the SDGs Donc il a été question de présenter un peu les activités réalisées par la DDS. Donc chaque coordinateur de projet ont présenté leurs projets respectifs. Et par la suite, des discussions ont eu lieu avec la représentante sur comment établir une collaboration avec l'agence fiduciaire de développement social dans le domaine des activités génératrices de revenus, dans le domaine de la chaîne de valeur, dans le domaine de la microfinance. Donc tous ces points ont été abordés avec la représentante. Donc la DDS remercie la représentante d'avoir trouvé du temps pour s'entretenir avec l'équipe. Et nous espérons qu'une collaboration future pourra donc avoir lieu très très prochainement. Je vous remercie.